TV, l'espérance en Jésus-Christ. Original. Original. Alléluia.
a formé vie en te noté. On te don fi a kané au tireka. My God! Hey! Oh mon Dieu! Elle est avec toi. Évangéliste, il y a un journaliste. Journaliste. Elle est pour moi, l'on a l'air. Bien, il y a un tesson, mais son caca va aller à l'on a. Il dit, vous ne soyez si bien en aïe. Et bien, quand on va, ma mère doit être qu'on va. Et doit la hâte. Et ça, et si y'en a. Mais ma tête, mon le trou caca, il y a un balai, il y a un peu de poudre, mais non. Et bien, nous. Et social. Et bien, soit mien, son nom. Et bien, fique à moi, le fique à moi. Et les filles, à qui est-ce évangéliste, bien quoi? Maman, on va vous. Le longtemps. Le soir, le longtemps. Le meilleur, il n'y a pas. Il m'a quoi, il m'a quoi, il m'a dit. Et fier de, fier de. Quel fier de, et moi, je suis aussi, et il est tout le monde. Il est. My God! Maya, ma pour moi de pépé, le sous la couleur, caca la lessine en propre. Lesquels nous envoyons ma basse, il y a une belle. Voilà, c'est ici, au Maya, il va bas de fond d'un blanc. Bah, forme. Et fiancé mes doigts, il est un caca vendredi. Et toi, tu as bisou, le troll, les filles. Et bisou. Et le sou. Zande pour ami le mien, bébé de mon pasteur, besoin et prophète, besoin pas cou. Yaya de nami le fou, que pour yaya de mi pas, et moi pour l'ya à tout le meilleur à vous. On aïe là, on aïe, on aïe le mieux sous bon comme, et moi on va fier l'aïe. Quoi, nous le fou nous caca de ça, mais dit. Et va journaliste a rien pas gala oh ko bile o rien pas la signe ma gbe pogbonbon le ya me ko yeso am le fun le to peda fi o ba me mama na mama lo fun wa mlo fi o so mu dona mla yin ku mama ya vinya le vendredi je so eso a am ni ma be ni de jobo chin le fi ya kai. Jesus, ele é original, ele é meu. Yes! 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 Amen, amen, amen. Ay, 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 ay. Et il y a un peu de temps avec moi. A même temps, on doit voir et pim 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 pim. Hey! My God! On va quoi faire vie à Idi? Amen, nous soyons quoi faire Idi? Pour être tension, bende nous rendre et le côté que tu es. Et soit l'on est domé. Que soit l'on est domé, d'ailleurs. Mais on le voit comme les queues. Fier le diacre comme ça, il m'a dit, vous pouvez dire, je glou, ou du tel ou tien, et voilà, pas attention, quoi. Vous vous dites, elle est tournée à même avec votre homme, non, elle est vivante. My God, Jesus. Oh, ben, la belle, le soumila. Nous faisons pas. Le gars nous a tout pris là. Quel beau bâton! A même on le fait à nous bien aussi. Et pour Thomas, son gars, coco, mon nom, caca, 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 il fait qu'il a dit. Nous le dirons,
le soisseye, ne kente son âme. De vie que vous avez ma maman, Léonard, et d'un meilleur, ou pas beaucoup de. Balélo. Balélo, tu n'y en as pas besoin. Tcha, tcha. Yeah! Maman est venu témoigner des bienfaits de l'Éternel dans sa vie parce que le Dieu aurait déjà fait un grand miracle dans sa vie. En effet, cela fait 3 ans que maman a commencé à se sentir de boule au niveau de son sein et elle ne pouvait pas marcher correctement. Elle a utilisé les remèdes traditionnels. Elle a tout fait pour avoir satisfaction mais en vain. Elle a décidé d'aller à l'hôpital pour aller diagnostiquer le mal et savoir ce qu'il faut faire. Quand elle est partie à l'hôpital pour le diagnostic, les médecins après analyse lui ont dit qu'elle avait du cancer et pour cela, il faut des centaines de mille pour pouvoir procéder à l'opération afin qu'elle retrouve sa santé comme cela se doit. Elle s'est fondue en larmes parce qu'elle n'avait pas les moyens pour cette opération. Elle ne savait pas comment faire. Elle est sortie de l'hôpital avec des pleurs. La femme de son enfant l'avait trouvée. Elle lui a dit, maman, pourquoi tu pleures? C'est alors elle a narré toute la situation, ce qu'elle avait vécu et ce que les médecins ont dit à sa belle-fille. Alors la belle-fille connaissant le ministère international de la transfiguration de Christ et comment Dieu opère sur la terre de la transfiguration, lui avait dit, maman, je vais t'envoyer quelque part. Quand tu iras là-bas, par la foi, tu auras la guérison. Effectivement, elle était venue. Quand elle est venue, elle a pris l'huile d'onction, elle a passé au niveau de son sein et elle a passé sur le corps. Elle a dit, Dieu doit opérer dans sa vie. Automatiquement, quand elle a passé l'huile, elle a senti que quelque chose la piquait au niveau du sein. Au cours de la prière, l'homme de Dieu a ordonné à ses pasteurs de toucher tout le monde. Maman a dit qu'on l'avait touché. Mais la nuit, elle a prié en disant, Seigneur, puisque j'ai quitté loin et je suis venu sur la terre de la transfiguration, Seigneur, tu dois faire de grandes choses. Elle est venue sur la terre de la transfiguration avec une petite fille parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer et c'est celle-ci qui devait la porter et la mener pour ses petits besoins. La nuit, quand elle dormait, elle a vu en songe 2 hommes qui étaient habillés en blanc, qui soulevaient son pied, qui avaient commencé à l'opérer. Elle a dit, c'est formidable. Elle se demandait, oh, qu'est-ce qui se passe comme ça? C'était l'opération surnaturelle dans le règne de l'esprit. Après l'opération spirituelle, elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle a constaté d'amélioration au niveau de son corps. Elle s'est levée le petit matin de dimanche, l'événement qui se déroulait de samedi à dimanche. Alors, le dimanche au petit matin, elle s'est levée et elle a dit à la petite fille qu'elle veut aller uriner. Alors la petite fille lui demande, mémé, est-ce que je vais encore te porter? Elle a dit non. Cette fois-ci, j'ai senti de changement au niveau de mes membres et je sais que je peux marcher. Elle a commencé à marcher à la gloire de Jésus-Christ. Elle a senti que la boule qui était au niveau du sein, la boule a disparu et les mains ont repris service comme cela se devait. Elle a commencé à marcher à la gloire de Jésus-Christ. De la maman si m'a touché. Daddy, c'est vrai. C'est vrai, Daddy. Il y a encore des chrétiens sur terre. Vérité, pasteur. Il y a encore des chrétiens. Yes, il y a encore des filles à côté avec Christ sur la terre. Tant qu'il y a encore des chrétiens, yes, sur ton poteau, Jésus va toujours opérer. Amen. La fois-ci, Hosea. Je prie Dieu de me donner ça. Vraiment. Parce que la voici, ce n'est pas donné à n'importe qui. Vérité, Daddy. C'est vrai, Daddy. La maman si est venue ici avec une fillette. Oui. À son âge. Elle dit, va. Et elle dit, et maman allait pleurer. Si je viens, ne me va. Tel que je suis venu, allez me va. Je ne partirai pas en avant comme ça. Quelle foi, terrible, antique. Mon frère, ma soeur, nous viens souvenir nous. Si tu peux avoir, ne atteint, divisé par 1000 de la foi de cette maman. Ado, maman m'a. Je ne vais plus me gêner. C'est ça. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus. Yes. Amen. 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 J'ai dit souvent quelque chose. Mais qu'on a dit qu'il y a Dieu ici. Yes. Maou la fille.
Il n'a pas besoin de ma présence. Après que si tu viens, si tu pries, Dieu va te répondre. C'est ça ce qui s'est produit. La confirmation est partie. La maman qui ne marchait pas. Yes. Regardez comment elle s'exprime. Elle parle. C'est ce que Dieu lui a fait. Sa honte. Avec une voix autoritaire. Pourquoi Dieu ne peut pas faire? Dieu doit faire. C'est ça. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Coupe TV, l'espérance en Jésus-Christ.